à Jésus, recevez la paix du Seigneur, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici Madame Seka Olga, pasteur à l'église évangélique La Moisson de France. Désormais, nous avons des grands cultes de puissance, de délivrance, d'enseignement de la parole de Dieu tous les dimanches de 10h à 13h. C'est à Lille, précisément à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Thomas, 59200 Tourcoing. Mon frère, ma soeur, déplace-toi, viens écouter la parole de Dieu, viens écouter les enseignements, viens laisser le Saint-Esprit te façonner à travers la parole qui descend de notre Père. Car l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et puis, nous avons une grande croisade de prière le samedi 15 juillet prochain. C'est à Aubervilliers, à Paris précisément à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93300 Aubervilliers. Nous commençons à 14h30. Le thème c'est « Lève-toi et marche ». Mon frère, lève-toi et viens. Parce que le thème là va t'emmener à te lever. Te lever pour avoir la victoire. Te lever pour ton avenir. Te lever pour ta guérison. Te lever pour ta communion avec Dieu. Tant qu'on n'est pas debout, on ne peut pas marcher. Parce qu'on ne peut pas marcher assis, on ne peut pas marcher couché. Donc, viens apprendre comment est-ce qu'on se lève spirituellement et physiquement. Rendez-vous est pris pour le samedi 15 juillet à partir de 14h30 à Aubervilliers. Et nous avons lancé l'appel, et je continue de lancer l'appel. Au niveau de notre salle de prière à Tourcoing, nous avons besoin de chaises, de matériel de sonorisation. On n'a pas fini, il faut encore continuer d'aménager. Nous vous attendons. Et jusqu'ici, la plupart de ceux qui ont réagi disent « Servant de Dieu, tes enseignements me font beaucoup de bien. Les vidéos, quand je les écoute, ça m'amène à plus me rapprocher du Seigneur. Et je ne peux pas rester insensible à ton cri. Moi aussi, je dois apporter ma part à l'édifice de notre Dieu. » Et ça me touche beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je me dis, je ne prêche pas dans le désert. Il y a des oreilles sensibles de l'autre côté. Il y a des enfants de Dieu qui sont là et qui peuvent à tout moment ajouter leur part à la maison du Seigneur. Vous qui n'avez pas encore réagi, on vous attend. On a besoin de beaucoup de choses. Ce qui est entré n'est pas suffisant. Et le Seigneur voudrait que toi aussi tu puisses réagir. Moi je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Le Seigneur aussi connaît tes moyens. Et on a dit qu'une seule chaise, ça fait 27,5 €. Et 10 chaises, ça fait 275 €. Si tu ne peux pas acheter 10 chaises, tu peux en acheter 2, tu peux en acheter 3. D'autres aussi peuvent en acheter 20. D'autres peuvent en acheter même 100. Le Seigneur a ses enfants. Chacun de nous a ses moyens. Alors, contacte-moi. Clique sur contacter. Écris-moi. C'est bon de Dieu, je voudrais apporter ma part. Comment je peux faire, je te dirai. Et puis aussi, vous pouvez m'appeler au 0033 751 51 25 16. De quel que soit là où vous êtes, dans le monde entier, appelez-moi ce numéro. Je vous dirai comment faire pour faire parvenir votre don. Et cette église, nous ne serons pas les seuls à recevoir la récompense devant Dieu. Vous qui aurez participé et nous qui avons prêché, parce que dans le corps de Christ, chacun a son rôle. Nous aurons tous notre récompense. Alors, veuillez me contacter. On vous attend. Le thème d'aujourd'hui, c'est inviter Jésus aux funérailles. Voilà, inviter Jésus aux funérailles. Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 16. Il s'agit de l'histoire d'une femme qu'on appelait la veuve de Naïn. La veuve de Naïn, elle non seulement était veuve, mais elle avait un fils unique. Et ce garçon venait de mourir. Et pendant qu'ils allaient l'enterrer, à l'entrée de la ville, ils ont rencontré le cortège de Jésus. Dis Dieu merci. Dieu merci. Je dis inviter Jésus au funérailles parce que quand on invite Jésus au funérailles, on ne va plus enterrer le mort. Le mort ne sera plus enterré. Il sera ressuscité. Il va se relever. Quand Jésus vient au funérailles de quelqu'un, on ne l'enterre plus. C'est pour ça que je dis inviter Jésus au funérailles. Parce qu'il va transformer la situation de tristesse en situation de joie. Il va transformer la situation de malheur en situation de bonheur. Des cris de joie vont être poussés. Les gens vont bénir Dieu, ils vont glorifier le Seigneur. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Jésus s'est approché du cortège. Il a posé la main sur le cercueil. Et l'enfant, le garçon, est ressuscité. Et il l'a rendu à sa mère. Elle était avec ses amis, les gens de son village qui étaient là, qui compatissaient avec elle. Mais ils n'ont pas pu faire. Et n'ont pas pu régler le problème, n'ont pas pu faire le miracle. Je vais vous dire, souvent quand nous avons des problèmes, nous en parlons à nos amis, nos connaissances et tout, à la recherche de compassion, à la recherche de l'aide. Mais nos amis, nos connaissances, tous ceux qui sont autour de nous, nos parents, ne peuvent pas faire le miracle dans notre vie. Je t'invite à inviter Jésus dans n'importe quelle situation qui paraît comme des funérailles. Même si la situation est désespérée, même si tu es malade, on t'a dit que le verdict est sans appel au niveau de l'hôpital. Même si tu as un procès où on te dit que tu as déjà perdu d'avance, invite Jésus. La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle est allée de médecin en médecin. Mais mon frère, ma soeur, le jour qu'elle a entendu dire que Jésus passe, elle s'est dit, je vais toucher son vêtement. Seulement ça. Et elle l'a fait. Une force est quittée vers Jésus à elle. Et elle a été délivrée. Ça veut dire quoi? Ce qui était en elle était aussi une force.
La mort est une force démoniaque. La maladie est une force démoniaque. Les blocages, les situations difficiles, la poisse, la misère, tout ce qui nous arrive, ce sont des forces démoniaques, ce sont des forces maléfiques, des forces de ténèbres. Il faut une force qui quitte chez Dieu pour venir déloger cette force. Alléluia. C'est pour cela que je dis, invite Jésus au funérailles. Ça s'est passé aussi avec Monsieur Jairus, c'était un chef d'une synagogue. Marc chapitre 5 du verset 35 au verset 42, Jairus avait sa fille. Et cette fille était très malade, il allait rencontrer Jésus. Et pendant qu'il parlait avec elle, elle était déjà décédée. Ses serviteurs sont venus dire, elle est déjà morte, n'importe plus le maître. Mais Jésus lui a dit que s'il croit, elle va ressusciter. Il est parti, il a posé la main sur la fille. Il lui a dit, Talita, Kumi. Et la petite s'est levée, ça signifie, jeune fille, lève-toi. Et elle s'est levée, elle a retrouvé la vie. Et Jésus a rendu cet enfant à son père Jairus. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es Jairus, quelque chose est mort dans ta vie. Invite Jésus. Inviter Jésus, c'est quoi? C'est de te déplacer pour venir ici, tu es en Europe, le 15 juillet, dans cette présence, dans cette atmosphère où Dieu se manifeste, là où on sera en train de prier, parce qu'il y a des moments qu'on appelle la porte des cieux, là où Dieu te voit. Mon frère, déplace-toi. Il y a des temps aussi où tu prends toi-même, des temps de prière, de jeûne, de lecture de la parole de Dieu, des temps où tu es dans la présence du Seigneur. Alors c'est comme ça qu'on invite Dieu, et Dieu rentre en action. Et quand il rentre en action, la situation change. La situation change. Je vous invite à être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui passent du temps dans la présence de Dieu. Qui laissent le Seigneur les transformer. Qui aiment Dieu. Plus Dieu vient dans ta vie, plus les ténèbres diminuent. Plus Dieu vient, plus le mensonge s'éloigne. Plus Dieu vient, plus la mort s'en va. Invitez Jésus dans toute situation de funérailles. Ça va se transformer en situation de joie, en situation de vie, en situation de résurrection. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Je vous attends pour ceux qui doivent intervenir pour la salle de l'église ici. À bientôt.